On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Être parent d'un enfant différent ayant certains handicaps, ça rehausse le niveau de difficulté, sans compter aussi parfois des besoins financiers pour avoir des services particuliers. C'est le cas d'un couple de la région, Virginie Lécuyer, qui travaille entre autres à l'Aspect, Théâtre des Deux-Rives, et d'Éric Gaudreau, qui est un enseignant en art dramatique dans la région de Napierville, qui est de Saint-Jean. Ils ont un petit enfant qui s'appelle Louis, qui est rendu à 1 an et demi, qui a besoin de certains services. Et l'un des amis d'Éric, ami d'enfance, c'est Patrick Charbonneau de l'Épicurier au Hall-Saint-Jean qui a proposé une idée de tenir une soirée bénéfice à ta santé, Louis. À mettre à vos agendas, soirée bénéfice le mercredi 28 octobre à 18h30 au Hall-Saint-Jean. Trois invités pour nous parler de cet événement, l'événement qui s'appelle « À ta santé, Louis ». Virginie Lécuyer, qui est bien sûr la maman de Louis. Bonsoir. Bonsoir. Éric Gaudreau, qui est le papa de Louis. Bonsoir. Bonsoir. Et Patrick Charbonneau, qui est l'oncle de Louis. Non, le grand-père de Louis. Non, non, le propriétaire de l'Épicurieux, qui est au Hall-Saint-Jean, qui est un ami de la famille. Bonsoir et bienvenue. C'est vrai que les cheveux blancs portent quand même à confusion. C'est-tu le grand-père dans le ouais, c'est ça. Donc, Virginie, évidemment, on s'est déjà parlé très, très, très active, évidemment, sur Facebook depuis la naissance de Louis. Louis est rendu à quel âge? 1 an et demi. Et comment va-t-il aujourd'hui? Aujourd'hui, ben là, il est dans une petite lancée où ça va bien. Depuis le début de l'été, il a commencé une diète. La dernière fois qu'on faisait l'entrevue, là, on s'apprêtait à la débuter, qui visait à contrôler l'épilepsie. Finalement, ça marche plus ou moins. Ça entraîne plusieurs désagréments au niveau de tout son système digestif. Alors, on a eu un été un peu rock'n'roll, mais là, depuis quelques semaines, ça reprend un peu du mieux. On retrouve le sourire de notre petit bonhomme. Alors, ça fait beaucoup de bien. Bon, quand on s'était vu la dernière fois, de mémoire, Louis avait quoi? 6-7 mois peut-être? 8? Non, il y avait un an. Bon. Quelques, mais sauf que, c'est sûr, on s'était vu quoi? C'était au printemps, je pense? Oui. Et quand on s'était vu au printemps, vous n'aviez pas encore de diagnostic officiel. Hein? Vous étiez toujours un peu avec, je pense, c'était Sainte-Justine qui les suivi. Oui. Donc, en suivi, puis là, on y va par élimination, puis ainsi de suite. Là, on est quelques mois plus tard. Avez-vous une meilleure idée de... Non. Pas du tout. Non, la réponse, en fait, on va l'avoir probablement l'été prochain, printemps, été prochain. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Louis, on est en investigation en génétique. Tous les problèmes de nature, de malformations cérébrales ou de lésions cérébrales, ils ont déjà été écartés. Ça n'explique pas sa condition. Donc là, on est vraiment en investigation au niveau de son code génétique pour essayer de voir quel gène est muté ou une petite déviance et qui provoquerait probablement l'épilepsie et sa condition. Et ça, c'est très, très long. Bon, parce que grosso modo, donc, il fait de l'épilepsie. Retard de développement? C'est un retard de développement moteur, là, donc ça implique tout son corps. Il a de la difficulté à tenir sa tête, ce qui est la première étape vers la marche. Donc, on ne sait pas s'il va pouvoir marcher. Comme j'expliquais tout à l'heure, tout le système digestif est ralenti aussi. Au niveau des muscles, pour la déglutition, la succion, il y a beaucoup de difficultés à contrôler tout le système musculaire. Alors, ça a vraiment un impact sur tous les aspects de sa vie, de manger, parler, marcher, saisir un objet, l'amener à sa bouche. Il ne fait pas ça encore, Louis, là, à 1 an et demi. Au niveau du développement intellectuel? C'est trop tôt pour savoir. C'est trop tôt? Oui. Malheureusement, avec un enfant qui est lourdement handicapé comme Louis, faut accepter de vivre dans l'incertitude pendant de nombreuses années. C'est sûr que nous, ça fait partie de nos inquiétudes là, au niveau d'une atteinte intellectuelle, mais il faut attendre que Louis ait 5, 6, 7 ans. Pour l'instant, c'est sûr qu'il ne réagit pas comme un enfant normal, mais ça peut être seulement une atteinte neurologique qui fait qu'il n'est pas capable de positionner ses muscles comme il faut. Bon, tu as recommencé à travailler? Oui. Est-ce que ça fait du bien? Oui. Ce que je dis toujours, en fait, moi, je travaille dans le domaine du spectacle. J'ai l'impression de travailler dans une coupe de champagne pleine de bulles parce que les préoccupations relatives à la survie de mon enfant, mais je ne pense pas à ça au travail. Et comment va papa? Ah, ça va, ça va. C'est, je dirais, de mieux en mieux. Je n'ai pas encore recommencé à travailler. On se fixe à peu près janvier, là, idéalement, pour aller un petit retour à l'école. À l'enseignement. Oui, c'est ça, mais c'est surtout la concentration qui manque, la difficulté à avoir une conversation continue et inspirée, mettons. C'est dur pour des parents, on s'en fout. Oui, c'est ça. C'est comme on s'est dit la dernière fois, c'est quand même un choc. Ouais.
quand on a un enfant, on se dit pas « Ah tiens, je vais prendre un enfant handicapé. » On veut tous qu'il soit beau, fin, grand et tout ça, mais on a ça. Donc, il y a la partie du deuil qu'il faut faire, puis ben on est dedans là-dedans présentement. On essaie d'être le plus positif possible. Louis réagit, comme Virginie disait, de mieux en mieux, mais c'est ça, ça reste que... Quel est l'impact parce que vous êtes très actif sur les médias sociaux, puis même, il y a eu d'autres activités, je pense qu'au mois de juillet, là, avec la pièce qui était présentée au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean. Quel est l'impact de l'appui que vous avez dans la communauté quand les gens vous parlent, quand les gens vous croisent, Éric? Bien, écoute, les gens sont très compatissants. On va souvent au marché, puis ah, c'est Louis, bon, allô Louis, bon, les gens, qu'est-ce qu'il y a et tout ça. Ils posent beaucoup de questions. Bien, il est facilement reconnaissable avec ses petites lunettes bleues. Lunettes bleues. On a fait un petit branding pour Louis. On pourra vous montrer ça ultérieurement, mais c'est ça. Les gens sont ils nous aident, que ce soit juste des petits commentaires positifs sur sur Facebook. Lâchez pas, on est avec vous autres. Ben, tu sais, mon chum Pat de 30 ans est là, puis il nous donne un gros coup de main, là. Donc, ça va bien. Ça va bien. Ben, c'est justement pour ça que je parle de support dans la communauté. Je veux arriver à Patrick. Évidemment, on se connaît, nous, tous les trois, depuis quelques décennies. Oui. Toi, Patrick, c'était quoi ta réaction? Parce que moi, évidemment, la journée évidemment que j'ai su ce qui vous arrivait, j'étais évidemment estomaqué parce qu'on se connaît de longue date et tout ça. C'était quoi ta réaction, Patrick? Bien, j'ai eu comme deux leçons à travers ça, parce que je m'en souviens quand on se connaît depuis longtemps, Éric, puis il m'a toujours appris, tu sais, qu'il ne fallait pas s'apitoyer sur son sort. Puis ce que j'ai aimé, c'est que c'était Éric qui a su le mettre en pratique. Tu sais. Il s'est relevé les manches, puis il a vraiment accepté la condition, puis il est devenu un battant. Puis ce qui, moi, jadis, c'est des valeurs qu'il m'inculquait en tant qu'ami. Puis l'autre leçon, bien, ça arrive toujours aux autres. Fait que rien ne nous interpelle dans la vie jusqu'à temps que les autres, c'est des gens que tu connais qui sont près de toi et tout. Puis là, c'est là qu'on s'est interpellé, puis on dit, ah, des fois, les gens partagent leur réalité, puis bon, ça ne nous atteint pas, on pleure, on regarde un petit peu la TV. Mais quand c'est vraiment des gens que tu côtoies près de toi, tu dis, bon, qu'est-ce que je fais? Ils n'ont pas été dans l'isolement, ils n'ont pas eu tendance à s'isoler. Bon, deux choix, tu t'éloignes ou bien tu te rapproches. Plus tu te rapproches, plus bien, leur énergie est bonne. Bon, on dit, bien là, il faut faire quelque chose, on s'implique. On ne reste pas les bras croisés. Puis, qu'est-ce que je peux faire? Et là, toi, quand tu as soumis une idée ou comment ça a cheminé? Bien, j'ai déjà fait des soirées bénéfices, des choses comme ça. Fait que déjà, avec l'épicurion, on a une certaine expertise pour ça. J'ai dit, bien, écoute, on va faire un bon petit festival, on va faire découvrir des produits régionaux, on va faire un bon petit cocktail, faire des accords avec mes employés s'impliquent, ils ont décidé de s'impliquer bénévolement eux aussi pour cette soirée-là. Faire des accords bière et fromage, faire découvrir des accords bière et saucisse, des bars à popcorn, ensuite de ça, un bar à bonbons, les gens vont arriver à une ambiance festive. Puis j'ai dit, on va en profiter, on va faire une levée de fonds avec ça, on va vendre des billets. Mais sortir de la traditionnelle levée de fonds, que les gens se disent « Ah, bon, ben c'est pour une bonne cause, comme un super spaghetti à 15 $, on se dit « OK, c'est pour une bonne cause. » Bien, l'événement qu'on a créé, c'est d'abord et avant tout, venez vous amuser, c'est pas juste pour une bonne cause. Ça vaut la peine, ça vaut le détour, puis tant mieux, c'est pour Louis. Virginie, quand on s'était vu justement au printemps, et malheureusement, il faut parler d'argent, parce que quand on a un enfant qui est handicapé, ça nécessite des services, des soins particuliers. Évidemment, quand on n'est pas indépendant de fortune, il faut défrayer ça. En plus de ça, on veut retourner au travail, etc. Parlez-nous un peu des démarches que vous avez faites dans les dernières semaines, dans les derniers mois, justement, de l'appui, je pense, du député aussi, entre autres, de l'activité que vous avez tenue au mois de juillet. Parlez-nous un peu de cet appui financier que vous avez eu dans les dernières semaines. Bien, je vais peut-être laisser la parole à Éric pour l'activité en juillet, là, puisque c'est le Théâtre du Bahut qui est comme la compagnie qui a fait ça. Mais on est tellement contents parce que cet été, on a travaillé très, très fort, puis au printemps dernier, pour offrir à Louis la possibilité de fréquenter un CPE comme n'importe quel autre enfant. Puis ça,
On est tellement contents parce que ça a fonctionné. On a un super bon CPE, mais Louis étant dans un groupe avec d'autres enfants, mais lui, il a des besoins particuliers, il a besoin qu'un adulte soit avec lui en tout temps. Et là, on a réussi, grâce à l'appui de Dave Turcotte, à aller rencontrer la ministre de la Famille, Mme Charbonneau, et elle a eu une décision discrétionnaire pour Louis. Et on a maintenant à tous les jours quelqu'un, 4 heures par jour, qui vient s'occuper exclusivement de Louis. Alors, ça permet le matin, pendant qu'il est éveillé, de faire des jeux sur mesure pour lui, pour qu'il puisse découvrir son environnement, de le faire manger aussi, parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus long, puis il y a toujours le danger d'étouffement. Alors ça, on a vraiment travaillé très, très fort là-dessus. Cet été aussi, on a commencé, bon, à parler de cette activité-là qu'on va tenir maintenant, là, notre soirée dégustation à ta santé, Louis. Mais c'est sûr que l'implication financière, c'est comme ça vient en premier plan, malheureusement. Parce que là, vous m'aviez parlé de besoin d'avoir un fauteuil spécialisé, d'avoir peut-être aussi un véhicule aussi. En fait, les levées de fonds, pour l'instant, c'est beaucoup pour l'achat d'un véhicule adapté pour Louis. La poussette adaptée, elle est fournie par la RAMQ, elle est prêtée, en fait, pour l'instant. Donc ça, Louis, là, déjà, ça fait très longtemps qu'il en a besoin pour son positionnement. Sauf que là, c'est un petit garçon de 26 livres mou, et puis il faut qu'il se transporte, il grandit, il ne peut pas tenir sa tête. Donc, dans une voiture, un siège conventionnel ne fonctionne pas. Ouais. C'est pour ça qu'on a besoin d'une voiture adaptée. Ça, c'est vraiment l'étape numéro un pour aller à nos rendez-vous médicaux, pour le déplacer de façon sécuritaire. Ensuite, évidemment, il va falloir adapter la maison, donc une rampe d'accès. On a une maison à palier, donc il faut faire ça aussi, adapter la salle de bain. Un enfant, de toute façon, ça engendre des dépenses, mais quand c'est un enfant handicapé, c'est du matériel adapté et ça rajoute un zéro d'habitude. La mesure de la ministre Charbonneau, est-ce que c'est quelque chose qui est récurrent, ça, pour les prochaines années? Est-ce qu'elle vous a donné la garantie que ça allait durer dans le temps? En fait, le programme est conçu de façon à ce que lorsqu'on a la mesure exceptionnelle de soutien, c'est comme ça que le programme s'appelle, lorsqu'on l'a un an, tant qu'on fait notre demande de renouvellement chaque année, on est comme assuré de l'avoir. Bon, Éric, parle-nous un peu de l'activité justement du mois de juillet avec les théâtres du Bahut. Bien, nous, on essaie le plus possible de ramener le théâtre d'été à Saint-Jean, comme on se voit régulièrement. Et cet été, on a été au Cabaret Théâtre et on a décidé, bien, les comédiens ensemble, on s'est assis et on a décidé, bon, est-ce que ça vous dérangerait de donner votre cachet pour cette journée-là? Et on a fait une représentation, celle du 25 juillet, 24, qu'on me souffle à l'oreille. Donc, le 24, et puis on a eu 315 personnes qui sont venues. On a eu une belle réception du public, c'était le fun, c'était plaisant. Puis, c'est ça, toute l'implication des gens, c'est tantôt ce que je te disais, c'est ça, c'est les gens viennent de bon cœur, puis c'est ça, ils donnent pour Louis. On parlait tout à l'heure des médias sociaux. Nous, ça nous a beaucoup sorti de notre solitude aussi. C'est ça, au départ, là, quand on commence, on se fait dire ça, bon, là, votre enfant a une atteinte cérébrale, là, tu commences tranquillement à comprendre l'ampleur de ce qui t'arrive. Au début, tu n'as comme pas le goût d'en parler. Tu dis non, c'est pas vrai que moi, c'est pas vrai. Là, tu veux comme un peu dénier ça. Puis à un moment donné, tu en parles sur Facebook. Puis là, des gens commencent à t'écrire. Lâche pas, vous êtes bons, vous êtes des bons parents. C'est sûr que les gens vont un peu dire, tu sais, mais ça nous aide tellement juste de sentir qu'on a plein de gens en dessous de nous. Puis ça fait aussi en sorte qu'on a reçu plein de dons, alors que c'était pas ça le but, là, au départ. Mais, ou encore des gens qui nous disent, hey, je connais telle personne, as-tu essayé telle ressource? Fait que ça nous apporte beaucoup en termes de ressources. Éric, c'était quoi ta réaction quand Patrick t'a tendu la main avec son activité? Ben écoute, c'est la générosité de Patrick. Hein? Il est comme ça. Quand il peut donner un coup de main, je me souviens quand j'ai eu Maxime, il était fou comme là. Il était fou. Et là, il était au magasin de fleurs à ma mère dans le temps, puis il a pris le plus gros toutou qu'il y avait dans le magasin, puis il est venu mener ça. Écoute, il était plus gros que Patrick. C'est un énorme toutou. C'est Patrick, c'est ça, c'est de la bonté, tu sais, sur Pat, tu sais, il est comme ça, il est généreux de son temps, de son implication, il est occupé, là, t'sais, même s'il ne travaille pas, il est occupé, cet homme-là, puis il vient tout le temps. J'ai pas le temps de travailler, d'ailleurs. C'est ça. Et là, comment ça va se passer, l'événement? Donc, c'est mercredi le 28, c'est à 18h30, donc au Hall Saint-Jean, à l'Épicurieux, bien évidemment. C'est une soirée bénéfice. Donc, de quelle façon ça fonctionne, Patrick? L'idéal, c'est courant grand nombre au hall, à l'Épicurieux. Achetez votre billet,
Nous, ce qu'on vous promet, c'est que vous allez vraiment avoir du plaisir. Ça sera pas... Vous allez oublier que c'est pour une bonne cause. Vous allez vous faire plaisir. Puis là, vous allez dire, hey, l'année prochaine, c'est quelle date? C'est le but de l'événement. Puis on vous jure qu'on va vous faire quelque chose de bien. Vous allez faire plein de découvertes. Les employés sont impliqués. On vous attend en grand nombre. Puis vous n'êtes pas obligé de venir acheter à l'épicurieux, mais venez acheter votre billet. C'est combien le billet? Le billet est 30 $. Il n'y a pas de frais après ça dans l'événement. Tout, les dégustations sont à volonté. Il y a même un band, oui, le, ben les oui, cuillers c'est ce que jazz dire. Band qui va être là. Oui, on est une famille artistique, nous. Alors, ouais. Moi, j'ai un band de jazz dans ma famille. Alors, mon frère, qui est le parrain de mon fils, mon cousin vont être là. C'est un quartet de jazz. Ils se produisent à Montréal habituellement. Puis là, ben, ils acceptent de venir faire un show. Et les gens, ils vont déguster quoi, Patrick? Ça va être différents accords. Ben, c'est sûr, on va les attendre avec un cocktail parce que, bon, t'arrives, tout le monde se reconnaît un peu. Avoir le temps de parler, jaser, un bon vin ou un produit sans alcool. On a même pensé aux enfants parce qu'il va y avoir des accords sans alcool avec autant des fromages qu'avec des saucisses. Mes partenaires d'un hall, ils m'aident beaucoup, que ce soit en donnant des fromages ou aussi en offrant des saucisses au rabais. Ensuite de ça, mes employés, ben, eux, ils font découvrir leur savoir-faire. Ils expliquent, ah bon, essaie cette bière-là avec ce fromage-là, tu vas voir le goût, tout. Fait que ça va être aussi des expériences, des papilles gustatives. Tu as un chef aussi dans ton équipe. Hugo, il va vous faire découvrir différents mariages d'épices dans des pop-corns. On y pense pas, mais un bar à pop-corn, il y a moyen d'essayer des épices et tout. Donc, ça va être vraiment, c'est une expérience gustative qu'on propose au monde. Et juste pour le fun, tu as combien de sortes de bières que tu On a tout le temps environ 500, mais c'est sûr, 500. Bon, ouais, 500 sortes. Il y en a plus au Québec, mais des fois, bon, il y en a des bières qui sortent pour 2 mois dans l'année, donc on ne peut pas les compter, mais il y a et tout le temps... 500 bières qui viennent d'à peu près de combien de... Il y a 46 microbrasseries au Québec. Il y en a 46? Oui, il y a 46 microbrasseries. On va avoir aussi des vins du terroir qu'on va présenter. Vous ne les retrouverez pas toutes ce soir-là. Mais c'est sûr qu'on promet des découvertes aux gens. Et tout. Wow! Patrick aussi a toute une nouvelle ligne de produits, vraiment des produits du terroir, des épices de cru. Fait que c'est vraiment l'occasion de découvrir toute cette nouvelle, facette-là. Popcorn, aussi. C'est vraiment intéressant à découvrir. On n'y pense pas, là, mais c'est un bon moyen de découvrir du berbère éthiopien, plein d'épices qu'on ne connaît pas. Est-ce que vous souhaitez que les gens achètent les billets à l'avance? C'est plus facile, plus simple? Les gens peuvent le faire. Bon, ils peuvent se rendre, je présume, à l'épicurier ou à Saint-Jean. S'ils ne peuvent pas se déplacer... On peut le faire en ligne. Ensemblepourlouis.com. C'est un nouveau site Internet. Vous allez le reconnaître. On voit le visage de Louis comme en dessin animé. D'ailleurs, l'adresse est au bas de l'écran. Qu'est-ce qu'on voit sur le site web en question? En termes de contenu ou en termes d'image? Bien, plein de choses. Là, on vient de le sortir, alors on est en train d'ajouter constamment des choses. On a évidemment l'histoire de Louis, ses progrès. On a des albums photos, entre autres un don, une photo. Les gens qui font un don, on leur prend une photo de Louis juste pour eux. Et là, on est en train de les transférer sur le site tranquillement. On a évidemment un blog où on parle des états de santé de Louis. On se fait tellement poser de questions qu'on se dit, on va en parler. Moi, je me fais blogueuse, alors des fois, je couche mes états d'âme, puis voilà. Des vidéos aussi. Et puis, tout ce qui concerne les activités bénéfices, parce qu'évidemment, on n'a pas le choix, là, on doit passer par là. Alors, on a l'événement de Patrick qui s'en vient. On commence à approcher aussi plein d'entrepreneurs de la région qui auraient envie de vendre un produit au bénéfice de Louis. Alors, ça, c'est une partie qu'on travaille. Alors, oui, c'est assez complet, c'est le fun. Puis, notre infographiste, qui est notre comme marraine infographiste, Élisabeth Provencher de chez Globard, elle nous a fait des petits bonhommes. Alors, elle nous a dessiné Louis et notre famille. Fait qu'on peut aussi voir ça sur le site. Quand on est parent et qu'on fait le choix de vivre ça publiquement, comme vous le faites, c'est un choix, là. Oui. Parce qu'il y a des gens qui diront, ah, non, moi, regarde, là, c'est déjà assez lourd de même. En plus, il faut que j'aille dans le public. Puis tout ça, il y a des gens parfois qui vont, hein, ils vont se renfermer plutôt que de faire le contraire. Ce choix-là, chez vous, quoi, il est venu naturellement? Ça s'est fait un peu par hasard. Quand j'ai commencé justement à parler sur les médias sociaux, j'ai tout de suite des collègues diffuseurs dans d'autres salles qui ont relayé l'information à nos collègues à travers le Québec, puis ils se sont mis à m'écrire des mots d'encouragement. Puis ça m'a tellement fait chaud au cœur de voir que ces gens-là que j'avais pas vus depuis un an prenaient le temps de nous encourager, que je me suis dit, bon, mais au départ, ça a été clairement juste une
recherche de sources de réconfort. Puis je me suis rendu compte par après que ça sensibilisait les gens à la condition de mon fils. Comme parents d'enfants handicapés, on a extrêmement... Une de nos plus grandes craintes, c'est que Louis soit stigmatisé. Alors, d'en parler, ça permet de démystifier sa condition. Bon, ça, c'est l'autre affaire, Éric. Puis ça, c'est important de le dire. Louis, évidemment, c'est pas juste un enfant handicapé. C'est aussi un enfant tout court, qui rit, qui pleure, qui fait toutes sortes d'affaires. Ouais. Parle-moi de ce Louis-là. Pas le Louis dont on parle avec, évidemment, Bien, c'est un petit bonhomme qui rit tout le temps. Bien, depuis quelques mois, là, il est mieux. Il se réveille le matin, puis il jase. Rah, 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 puis là, il s'en va. Puis là, on le met sur nous. Puis là, il lève sa tête. Puis là, il commence à nous jaser ça. Puis, tu sais, c'est un enfant, heureusement, là, c'est un enfant qui est joyeux. Il est tout le temps de bonne humeur, il sourit, il babille. On dirait qu'il y a du fun dans la vie, lui-là. Là. Ouais. Il n'y en a pas de problème, lui-là. Il s'amuse, puis il rit, puis c'est ça. Puis avec sa sœur aussi, sa sœur est gagate son frère, puis les deux ensemble, la dynamique, c'est beau à voir. Au-delà de l'handicap de Louis, c'est un bébé qui est... Comment je dirais, il est joyeux, il est gay, c'est ça. J'ajouterais que c'est fascinant parce que, bon, nous, évidemment, comme il ne bouge pas, on ne s'imagine pas comment dans sa tête ça progresse, mais là, on commence à avoir du matériel adapté pour lui, dont sa poussette, on va avoir une installation pour pratiquer la station debout. Puis on dirait que quand on le met dans ce matériel-là qui est fait pour lui, là, il nous regarde avec un air de fierté, là, il y a comme une forme de prise de conscience, c'est vraiment... génial à voir. Puis on est chanceux aussi d'avoir un enfant qui réagit bien à toutes les stimulations. Il y a des enfants, des fois, avec des handicaps, que tu les touches ou tu leur parles, puis ils sont comme agressés par les sources de stimulation, mais pas Louis. Lui, il adore ça. Alors ça, c'est comme notre plus grand bonheur, parce que ça nous permet de le voir éclater de rire. Il n'y a pas un cœur de parent qui ne va pas fondre quand il voit son enfant rire. Nous, on a le bonheur de vivre ça. C'est une grosse guidoune que je l'appelle ma grosse guidoune. Écoute, et tu y flattes en dessous du menton, puis là, il est là. Il est là, puis j'aime ça, continue, papa. C'est ça. C'est Louis. Puis quand tu as des journées un peu plus moches, ben tu t'amuses avec, puis là, il te regarde, puis il fait. Puis tu fais OK, t'as raison, là, je vois. On passe à un prochain appel. Il y a toujours son petit sourire en coin qui nous a inspiré le dessin. Parce que toutes les photos qu'on voit de lui, il est toujours souriant, toujours de bonne humeur. Il peut y avoir combien de personnes, Patrick, à peu près à l'événement, là, la capacité des lieux? Là? On vous le dira quand il n'y aura plus de billets à vendre. Quand ça va refourner sur le pont Saint-Joseph. On peut se rendre à 300, il n'y a pas de problème. Quand même 300 personnes, oui. On est équipé pour recevoir 300. On est directement sur le pipeline. L'épicurier est là pour nous ravitailler s'il y a moindrement de quoi. Ouais. On va chercher vite au dépanneur ce qui nous manque et on continue. Parce que c'est pas juste dans la boutique, en fait, c'est que ça déborde. C'est dans les halles. Oui, c'est dans les halles. Les halles sont... Dans la partie de la rotonde, là, c'est ça? Non, devant l'épicurieux. Devant l'épicurieux et tout, oui, c'est ça. Donc, à ta santé, Louis, soirée bénéfice, 30 $, donc dégustation, bière, terroir et tout et tout. Donc, le mercredi 28 octobre, 18h30, au Halle Saint-Jean, vous pouvez acheter vos billets directement à l'épicurieux ou sinon sur ensemblepourlouis.com. À vous trois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne chance. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Do-d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 o
Les abris d'auto temporaires, ce que nos grands-parents appelaient des abris tempo. Donc, c'est le 1er novembre jusqu'au 15 avril. C'est ça que dicte la réglementation, mais il y a aussi des distances à respecter. Pour obtenir l'information sur les règles d'urbanisme en vigueur, allez sur sjsr.ca. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. Vous avez la grille horaire de l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Également, vous dire qu'à tous les dimanches matin, c'est le télé-bingo avec 3 500 $ en prix. La carte pleine est à 2 000. Il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Pour avoir la liste, visitez le site Internet de la télé ou vous téléphonez ici même. Si vous désirez me joindre, par courriel, plus facile et plus rapide, Éric Latour en un mot, à commercial.tvhr9.com. Visitez le site Internet pour revoir des entrevues. Et vous pouvez nous aimer, nous suivre sur Facebook et sur Twitter. On est là demain. Bye-bye.